Bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur 01net TV et bienvenue dans notre magnifique vaisseau spatial avec Jérôme Colombin qui est là. Salut Jérôme. Salut François, es-tu prêt pour traverser la galaxie? Écoute, oui, parce que maintenant tu vois, j'aime de moins en moins cette planète Terre qui parfois me dégoûte un peu. Donc ouais, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un vaisseau spatial et partir dans l'espace. Je te suis, je pars avec toi, ouais, sans problème. C'est pas toi qui conduis parce que j'ai pas confiance. Hein? Tu as tort. Et oui, un 01 live hebdo un peu particulier puisque pendant un bon quart d'heure, on va fêter Star Wars. Oui. Oui. En fait, on fête Star Wars, on va dire un mois avant l'événement planétaire que sera la sortie du film. Car nous, eh bien, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le jeu vidéo Star Wars Battlefront. Il est là, regardez-le, hop là, le jeu Star Wars Battlefront qui vient de sortir chez Electronic Arts. Alors c'est un événement pour tous les gamers. On va vous montrer des images de ce jeu, évidemment, tout au long de ce 01 Live Hebdo. Alors on va parler de tout l'univers Star Wars tout à l'heure avec un guest, vous allez voir, qui vit Star Wars, mais au plus profond. Ah oui, hein, s'il est vraiment... On vous en dit pas plus, ça va être la surprise dans un instant. Il est complètement habité complètement par Star habité. Wars. Voilà, c'est vrai. D'ailleurs, il est à mes côtés, j'ai un peu peur. Là. Je flippe un peu, mais bon, ça devrait bien se passer. Donc, pour ce 01 Live Hebdo que nous avons décidé de redécorer aux couleurs de Star Wars, ouais, vous allez découvrir dans un instant plein de choses. Le jeu, bien entendu, mais pas seulement, on va parler également de hardware. Et puis bon, on s'écartera un tout petit peu de la thématique avec Delphine Sabatier. Oui. Quoique... Hein, on va parler, oui, de sécurité, hein, avec Delphine tout à l'heure. Elle nous emmènera au salon Millipol avec des nouveautés high-tech dédiées à la police et aux forces de sécurité. Et puis on aura le labo, bien entendu. Le labo avec deux produits intéressants, la Gear S2 et puis le nouveau OnePlus X. Et à cette occasion, on saluera la bienvenue d'un journaliste que vous connaissez, en tout cas si vous regardez de temps en temps De Quoi Je Me Mêle, Jean-Sébastien Zanqui, dorénavant sera avec nous régulièrement dans 01 Live Hebdo, mais on fera les présentations tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, il est très gentil comme garçon. Voilà, c'est 01 Live Hebdo numéro 79 et c'est parti. Bon Jérôme, il est pas beau ce décor que nous a fait Florian Beaufreton. Ça c'est magnifique. Regarde-moi ça. Franchement, là, nous sommes dans la galaxie. Ouais, c'est vrai. Toutes ces étoiles là derrière, c'est cool, hein. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec un fond vert? C'est top quand même. Faut pas le dire. Oh mon Dieu, c'est terrible. Tu casses la magie. Bon, avant d'accueillir notre guest star de Star Wars justement, eh bien un mot quand même sur notre question 01net Orange, Jérôme. Êtes-vous un Star Wars addict? Est-ce que vous êtes comme nous un peu timbré, cinglé de Star Wars? Oui. Votez sur www.01nettv.com. Oui, vous êtes un Jedi confirmé. Non, vous êtes complètement à côté de la force. Ou bien, bof, oui, enfin, je suis ça de plus ou moins loin. On va dire que vous êtes alors un Padawan lointain. Vous allez voter www.01nettv.com et on fait le point tout à l'heure. Oui, exactement. Donc, hein, www.01nettv.com. Sur cette même adresse, eh bien, vous savez quoi? On vous offre des cadeaux, comme d'habitude. Mmh. Alors, on va vous offrir quoi? Eh bien, tout simplement, comme d'habitude, notre enceinte Cthulhu 2. Vous savez, cette enceinte Bluetooth qui va vous permettre d'écouter de la musique un peu partout. Vous la connectez avec votre smartphone et puis c'est parti. Alors, cette enceinte Bluetooth, comme d'habitude, on vous l'offre. Regardez-la, elle est là. Voilà, elle est très sympa. Une enceinte qui a été plébiscitée par le labo 01net, hein, on le répète, mais c'est vrai que c'est une enceinte en tout cas à l'excellent rapport qualité-prix. Et puis on va rajouter, Jérôme, puisqu'on fête Star Wars, un cadeau Star Wars, on va rajouter le jeu PlayStation 4 de Star Wars Battlefront. Ah ouais, carrément. Donc, monsieur est très généreux aujourd'hui. Exactement, l'enceinte plus en fait le jeu Star Wars Battlefront. Donc il est là. Hein. Exactement, il est là. Regardez cette main, regardez un peu cette main étrange mystérieuse qui nous le montre. Et bien voilà. Donc voilà, là, tout ça, c'est à gagner dès maintenant. Vous allez sur www.01nettv.com et vous répondez à la question qui est sur la gauche. Justement, c'est une question qui concerne ce jeu qui ne sort pas sur toutes les consoles, hein, justement. Donc allez-y et on vous souhaite bonne chance. Tirage au sort semaine prochaine. Bon, Jérôme, oui, je crois qu'il est temps maintenant d'accueillir notre invité mystère. Là, si tu lui as pas, tu l'as bien. Ah oui, là, non, mais là, on l'a survendu. Tu l'as bien survendu. D'ailleurs, vous pourrez poser vos questions à notre invité mystère, puisque comme nous sommes en direct, vous pouvez aller sur le hashtag 01 Live. Monsieur l'invité mystère, bonsoir. Bonsoir.
Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui me fait peur? Bon, vous l'avez reconnu, derrière ces cernes et derrière cet accoutrement se cache Aymeric Siméon. Comment ça va Aymeric? Cite ATH. Et voilà. Pas mal. Comment ça va Aymeric? Ça va. Mauvaise mine hein, quand même. Ouais, j'ai un peu forcé le trait quand même. Voilà, bon, c'est ça. C'est pour les gens du film, on va dire ça comme ça. Bon, un spécial Star Wars Battlefront. Ouais. Pas mal. Bah ouais, c'est aujourd'hui que c'est sorti. Alors je me suis dit... Sortie mondiale vous, aujourd'hui dit, ouais, voilà. Voilà, hier, enfin depuis minuit aujourd'hui. Enfin depuis minuit hier ou minuit une ce matin. Ouais, c'est ça, on va dire minuit. Voilà, minuit une ce matin, voilà. A priori, c'est bon, on peut y aller, on peut aller affronter ses petits copains et puis les autres. Hein, dans l'univers Star Wars de Star Wars Battlefront, donc qui est le titre, on va dire. Il est venu armé en plus, Aymeric, je crois. Ouais, je suis venu armé, je suis venu avec mon sabre laser. Voilà. Ah oui. Voilà. Pas mal. Mon fils avait le même quand il avait 3 ans. Et ben oui. Il s'allume ou pas? Non, pas celui-là, non. Celui-là non, s'allume pas. Celui qui s'allume, il est à la maison. Ah oui. Ouais. Ah, ils sont pas. Parce qu'il faut dire que Aymeric est un peu... Non, c'est pas non vrai. Pas gaga de Star Wars. Pas du tout. Je vois même pas de quoi tu parles. Bon, d'accord, ok. Non, bon, c'était juste un truc qui m'est passé comme ça à l'esprit. Bon, alors ce Star Wars Battlefront, c'est un événement pourquoi, Aymeric? Alors c'est un événement parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de nouveaux Star Wars, de nouveaux jeux sur Star Wars. Ouais. Le dernier, on va dire, qui a fait un peu date, hein, c'était le MMORPG, hein, donc le jeu drôle massivement multijoueur. Voilà. Et puis là aujourd'hui sort un monument finalement, peut-être un nouveau monument, un monument en devenir dans la sphère vidéoludique Star Wars, puisque c'est l'un des tout derniers, on va dire, shooters, donc jeu de tir à la première personne dans l'univers de Star Wars, qui ne se limite pas finalement à un univers peut-être un peu parallèle, imaginaire, comme pouvaient l'être les anciens opus, les anciens FPS, mais celui-là il est bien ancré dans les films. Et c'est assez rigolo puisqu'on va pouvoir revivre finalement la bataille de Hoth. Mais c'est un FPS alors ? C'est un FPS. Tout au long du jeu ? Tout à fait. D'accord. C'est... Voilà. On peut piloter des vaisseaux Tout à fait. D'accord. Affirmatif. Ça c'est top. Ouais, c'est top. On peut aussi incarner des gros méchants. Il y a certains modes de jeu dans lesquels on peut incarner Dark Vador, Boba Fett, Palpatine, Luke Skywalker ou encore la princesse Leia, pour ceux qui aiment bien les macarons. Sur les oreilles. Voilà, c'est ça. On peut les incarner. Il y a plein de modes de jeu. Alors, on va rappeler juste une petite chose, c'est que Battlefront n'est vraiment exploitable qu'à partir du moment où on a un abonnement multijoueur sur les consoles et qu'on a internet sur un PC. Hein. Donc Xbox Live ou le PlayStation Network. Voilà. Autrement, ça sert à rien ? C'est même PlayStation Plus. Le PlayStation Plus. C'est-à-dire la version payante à 50 euros par an. Voilà, c'est ça. 50 euros par an, voilà. Et si on n'a pas ça ? Si on n'a pas ça... Il n'y a même pas un mode solo ? Alors, il y a un petit mode solo sur lequel on peut se faire les dents. Un mode Yen Solo. Bien sûr. Voilà. Ça faisait un moment que j'avais préparé, il fallait que j'assorte. Voilà. J'ai fait, c'est bon, on enchaîne. D'ailleurs, on pourrait me dire, Leia un mode Han Solo. Enfin bref. Moi, je vais y aller. Voilà, ouais, c'est ça. Pas très drôle tout ça. Voilà. Si, alors, il y a un espèce de mode solo, mais qu'on n'est pas tout à fait. En fait, on va dire que c'est un grand tutoriel. Dans lequel on va pouvoir prendre en main tous les différents aspects du jeu. Aussi bien le côté je shoot, que le côté je pilote, que le côté je me balade, c'est plus etc. Un truc, il n'y a pas de scénario, il y a voilà, pas de côté entraînement ou en coop avec un copain, ça c'est possible. Mais pour pouvoir aller se friter en ligne à plusieurs, jusqu'à 20 joueurs, voire peut-être même, il y aura peut-être d'autres modes à beaucoup plus. Mm-hmm. Là pour le coup il faut passer à la caisse. Donc en plus du prix du jeu, il faut s'offrir l'abonnement. On n'a peut-être pas d'ailleurs donc l'abonnement parce qu'après on joue qu'en multijoueur. Qu'en multi. D'accord. Et alors là, après, parce que bon, tu le testes depuis pas mal de temps. Alors en fait, moi j'ai beaucoup testé la bêta, parce que j'ai eu la chance d'y avoir accès comme beaucoup. Et je vais faire un monde honorable, j'ai été un peu comme tout le monde, je n'ai eu mon jeu que ce matin. Mm-hmm. Donc là pour l'instant je n'ai fait que le tutoriel, etc. J'ai pas encore eu le temps d'aller me mettre. En tout cas, graphiquement, c'est hyper prometteur. Quoi. Là, on sent que la PlayStation 4 et la Xbox One, ça doit y aller dedans. Parce que ça doit faire mal. Ça doit faire mal, c'est magnifique, quoi. C'est fluide et puis les graphismes sont waouh. Ouais, c'est très beau. Alors quand on se balade dans Andorre, surtout sur la PS4, c'est très très beau. Alors on va quand même rappeler hein, que le jeu est disponible sur Xbox One et sur PC également. Pas sur les anciennes consoles, hein, sur le old gen, il n'y a pas. Et pas sur Nintendo Wii U. Et non plus. Pas de PS3. Voilà, pas de PS3, pas de Xbox 360. Non, non.
ça, il n'y a pas. Oui, c'est vraiment un jeu qui demande de la puissance des nouvelles consoles, en fait. Ah, tout à fait. Voilà, c'est tout ça. À fait. Ça fait partie des jeux. Sur PC aussi, ça doit être pas mal. Sur PC, ouais. Moi, je l'ai testé, la bêta, je l'ai eu sur PC, comme beaucoup. Et je dois avouer que c'était très joli. Alors, sur PC, on n'avait pas accès à beaucoup de modes. Oui. Mais là, j'ai pu tester quand même un ou deux modes. Bah, voilà, typiquement, là, ce qu'on voit à l'écran, donc c'est la promenade dans Endor sur des motos jet. Ça donne envie d'y jouer. Ouais, non, mais sérieux, c'est ça. Alors, la sensation de vitesse, etc. est vraiment bien présente. C'est bien fait, les doublages sont relativement bien faits. On a été juste un peu déçus parce que la voix de Dark Vador est pas celle qu'on a l'habitude d'entendre dans la VF, pardon. Mais bon, on s'en accommodera. Hein, voilà. Mais c'est Shine qui fait Dark Vador. C'est tout ça à fait. Un peu, voilà, c'est ça. Un peu surprenant au départ. Voilà. Et donc voilà. Des questions. Alors, juste une question. Ouais. Ça n'a rien à voir au niveau histoire au nouveau Star Wars qui sort dans un mois. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un lien. On est ancré dans, on va dire, la trilogie originale. Et puis, on a aussi, on va avoir un lien très très rapide. Aux alentours, je crois, début décembre, avec un DLC qui va être gratuit pour ceux qui auront la version de luxe du jeu, donc qui est donné avec la console Sony qui est sur le plateau. Donc c'est pas le jeu qu'on achète dans le commerce. Non, alors voilà, ça faudra passer. Normalement, faudra passer à la caisse. Et on aura donc un add-on qui nous. Un DLC qui fait la transition avec le film, ça s'appelle La Bataille de Jakku. Voilà. Bonjour machine à cash, bonjour marketing. Voilà, ça fait aussi partie des travers, on va dire, d'IA, hein, on peut quand même le dire. C'est qu'aujourd'hui, si on a envie d'avoir le jeu avec tous les DLC qui vont arriver, faut quand même passer à la caisse et c'est 120 euros. Enfin, Star Wars d'une manière générale, c'est une énorme machine marketing depuis toujours. Tout à fait. Alors bon, ce qui est génial, c'est regarder ce que Emmerich vient de déballer. Ouais. Là, vous avez des images. C'est la PlayStation 4 édition collector Star Wars. Voilà, c'est ça. Elle est pas belle. Donc elle est super jolie. Avec la manette qui va avec. Voilà. Wow. Et l'édition de luxe du jeu, donc qui comprend un certain nombre de DLC. D'accord. Voilà. Et aussi des jeux un peu anciens gratuitement à télécharger sur le PSN. En plus. Voilà. Plus cher que la console dire traditionnelle. Alors, ou pas le bundle, et je vais parler sous contrôle du CIE, puisque dans la salle, il y a un geek qui se l'est offert. Normalement, il a fallu quand même débourser, je crois, 500 euros pour se la payer. Ah oui, il y a une baisse de prix. Voilà. 430 avec la baisse de prix. On nous dit le geek. Voilà. Pierre qui est là, qui nous souffle tout, mais vous entendez tout, parce qu'il parle fort. Donc c'est 430, c'est ça, hein, voilà. Nous nous gênons pas, on est entre nous. C'est voilà. Ça. La console et le jeu. Mais le jeu version plus. C'est version de luxe, voilà. Bon, ça c'était. Mais elle est superbe, alors il faut la mettre debout comme ça, parce que si tu la mets à plat sous la télé, ça n'a plus aucun intérêt, ça ressemble à une PlayStation 4 de base. Voilà, c'est-à-dire que l'avant n'est pas du tout customisé. Voilà. En fait. On va simplement dire qu'à l'intérieur, on a un disque de 1 Tera. Voilà, ce qui explique aussi le. Donc c'est la version haute. Voilà, c'est la version haut de gamme de la console de Sony. D'accord. Voilà, tout à fait. Voilà. Pas mal. Alors ça c'est important, mais vous savez que évidemment le marketing est passé par là, du Star Wars il y en a à tous les étages. Il y en a même maintenant dans le monde du PC. C'est ça. Avec HP, qui vient de sortir là, c'est tout récent, un PC aux couleurs de Star Wars. Voilà, c'est ça. Donc il y a un HP Star Wars édition qui a été présenté tout début du mois d'octobre à Barcelone. Voilà, d'ailleurs c'est là que j'ai récupéré ma magnifique cape. c'était très bien. D'origine, origine garantie. Voilà, origine garantie. Rappelons que tu dors avec, hein. 100%. Enfin, sans trop rentrer dans la vie privée. Ça sert à tout, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ouais. Donc effectivement, donc ce PC spécialement Star Wars édition fait par HP en accord avec Disney. D'ailleurs pour la petite histoire, les premiers PC que HP avait élaboré pour la licence Star Wars était plutôt axé autour de l'Alliance, était plutôt axé autour des gentils, de la République, tout ça. Oui. Et quand ils sont allés voir Disney leur a dit non mais vous savez, ce qui fait vendre, c'est les méchants. Alors vous allez nous faire un PC Sith, donc aux couleurs rouge, noir, avec voilà. Oui, parce qu'il a un côté un peu gaming, je trouve. Alors voilà, il a un côté gaming, mais il n'a de gaming que l'aspect. Voilà. Donc il faut expliquer que c'est, on va dire quoi, du PC moyen de gamme, c'est ça? C'est un PC milieu de gamme, qui coûte 800 euros. Il n'y en a qu'une version qui va être proposée là très très vite dans les rayons. On peut pas jouer à Battlefront avec. Hein, on va tout de suite être clair. Voilà. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. Et c'est ce qu'on leur a demandé. Pourquoi ne pas avoir fait un PC? Et c'était pareil, une volonté de Disney de pas vouloir proposer une machine trop chère au public, aux fans de Star Wars. Alors après, un peu en dehors des micros, l'un des designers de la machine nous disait non mais parce que vous savez très bien comment ça marche dans l'univers Star Wars, il y a des collectionneurs. Et donc les collectionneurs, ils achètent deux machines, une pour collectionner et une pour utiliser. Donc
800€ la machine, ça fait un coût à 1600€, allez hop. Bon, 1600€, c'est pas grand chose pour un des goodies Star Wars. Alors on n'a pas vraiment la même notion du pas grand chose. C'est sûr. Mais effectivement, on peut comprendre que voilà. Le vrai collectionneur en achète deux. Ouais, je sais pas, moi je serais tenté en fait. Oh mon dieu. D'accord. Ah, mais c'est ce qui veut dire quoi? Que s'il était plus puissant, il coûterait plus cher, donc trop cher. Trop cher. C'est ça l'idée. Et puis surtout que voilà, c'est paradoxal aussi, ce PC spécial Star Wars qui permet pas de jouer à Star Wars. Bah oui, je suis bien d'accord avec toi. Enfin, tu peux jouer à Star Wars, mais sur Game Boy. Bah tu peux jouer à Star Wars, mais à d'autres jeux Star Wars. D'autres jeux Star Wars, ouais. Star Wars Lego. Front. Voilà, c'est ça. Voilà, tu peux pas jouer. Voilà, et donc aussi... Montre-nous la housse quand même. Voilà, la housse. C'est livré avec ou c'est une option? C'est une option, mon capitaine. Bah bien sûr. Oh, c'est pas possible. Donc cette magnifique housse de transport... qui est vendu la bagatelle de 40€. Ah voilà. Voilà. Donc on est à 850€ pour les deux quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux acheter, que la housse pour c'est mettre un PC qui est correct. PC pas Star Wars. Mon sabre laser est tombé. c'est un PC qui est correct. On va pouvoir faire des petites choses avec sans trop de soucis. Enfin, on va aller au-delà que la bureautique, etc. Hein. C'est pas un netbook, hein, comprenons-nous bien. Mais c'est pas non plus une machine de gaming. C'est pas une machine. Clairement pas. On a bien compris. Il y a Lucien qui nous dit sur Twitter, il manquerait plus qu'un iPad Pro aux couleurs de Star Wars. Et ouais, c'est une bonne idée ça. c'est tout à fait le genre de. On a parlé de PlayStation, mais Microsoft est un petit peu à la ramasse, non, j'ai l'impression, parce que c'est Eric qui nous dit ça. Est-ce qu'il y a une édition spéciale pour Xbox One? Non. Non. Donc on voit que Sony a verrouillé un petit peu un accord d'exclusivité pour Star Wars Battlefront. Tout à fait. Le jeu existe sur Xbox One, mais dans son simple appareil, je vais dire. Oui, enfin dans son simple appareil, on l'a effectivement. On n'a pas de version de console. Jolie image. On n'a pas la console n'est pas aux couleurs de Star Wars. Par contre, les éditions, les différentes éditions de luxe, etc., sont pour le coup achetables. Ça n'a pas de souci sur les stores. Voilà. Alors oui, effectivement, Microsoft a peut-être pas forcément sorti le carnet de chèques, mais ils l'ont pas sorti non plus pour Call of Duty, hein, puisqu'il y a une version spéciale de la bien console sûr, Call of Duty. Par contre, ils l'ont sorti pour Tomb Raider. Alors, il n'y a pas forcément une version spéciale de la console de Tomb Raider, mais le jeu n'est exclusivement que sur Xbox One. Il est sorti la semaine dernière. Voilà. Donc, ça vaut le coup, hein, Star Wars Battlefront, si on est... voilà. Alors, oui, ça vaut le coup. C'est ça... un bon jeu, au-delà de la ferveur de qu'on peut avoir concernant Star Wars. Mm-hmm. C'est un bon jeu d'action. C'est un bon jeu d'action. Je vais juste mettre en garde les amateurs de Battlefield. Alors, pourquoi je parle de Battlefield? Parce que DICE, qui a développé Battlefront, c'est le même studio qui fait Battlefield, vous ne retrouverez pas forcément vos petits et vos habitudes dans Battlefront. D'accord. Y a bien moins de joueurs à l'écran, et on va dire que là, le but, c'est pas de faire de la compète, c'est plus de faire... de s'amuser. Voilà. Merci beaucoup, Maître Emmerich. Oui, c'est genre de Padawan, ça va suffire. Padawan, je peux encore mettre. Bon, ouais, c'est bien parti. Je voulais juste faire... Si on j'adore pouvait... quand tu commences à soulever comme ça par la pensée des bureaux, ici au cinquième étage. Ouais, c'est très sympa. Ça me demande un sacré effort quand même. Mais j'ai vu. C'est pratique pour les déménagements. Je voulais juste qu'on fasse juste un gros plan, si c'était possible, sur l'espèce de morceau de polystyrène qui est posé là. Alors, ça n'a pas l'air très beau comme ça. Emmerich quand même est au bout du rouleau. Voilà, moi je suis complètement à fond. Voilà, ça c'est les supports qui maintiennent la machine à c'est l'emballage. Voilà, donc ça a une forme de TIE Fighter. Ouais, voilà, c'est une forme de TIE Fighter et ça, c'est ce qui maintient le PC dans son emballage. Il fallait aller au bout de la logique. Voilà, j'imagine bien ça dans mon salon, ma femme serait ravie que j'installe du polystyrène comme ça, voilà. En forme de vaisseau spatial. Tu lui dis pas. Déjà la PlayStation, elle me la met sur la terrasse. Bon, enfin bon, bref. Voilà, bon, je vous abandonne là, c'est ça, je voilà. Merci Emmerich. Merci beaucoup Emmerich. Prends un petit peu de vitamine C, je te trouve un peu palo. Ouais, je vais essayer de dormir aussi un peu. Merci beaucoup Emmerich Siméon. Et puis je vous rappelle qu'on vous offre une version PlayStation 4 donc de Star Wars Battlefront avec l'enceinte Cthulhu 2 de Divacor. Il suffit d'aller sur 01nettv.com. Sur la gauche, vous avez une petite question fastoche. On vous a donné la réponse il y a quelques minutes de cela. Tiens, comme on est dans le sujet, un petit coup d'œil du côté de la question 01net Orange. Peut-être êtes-vous Star Wars addict? Eh bien oui, 47% d'entre vous êtes des Jedi confirmés. Non à 29% et 23% qui s'en moquent un peu. Bon, on va poser la question à Delphine Sabatier. Qui s'est coiffé en presse Esclée là, juste pour nous aujourd'hui, pour notre rendez-vous Zoom Actu. A tout de suite avec elle. C'est fine, Sabatier, bonsoir. J'allais dire, c'est notre princesse Leïla à nous. Oui, c'est vrai, bien sûr. Même sans la coiffure. Ouais, là, il faut les trucs sur les côtés. Hein. François fait ça très bien. Fan de Star Wars ou pas, Delphine? J'aime bien Star Wars, mais je... Non, pas comme Emmerich quand même. Pas autant qu'Emmerich, oui, c'est sûr. Bon. Difficile, hein, en même temps, de l'égaler.
Alors Delphine, vous nous emmenez non pas au fin fond de la galaxie, mais de manière plus simple à Villepinte, près de Paris, pour découvrir le salon Millipol. Alors c'est un salon ultra professionnel qui s'adresse... On y parle de guerre aussi. Ouais, de guerre, de police, de sécurité, avec des tas de choses quand même assez insolites, très high-tech, et notamment un intercepteur de drones façon Spider-Man. On commence par ça ? Allez, on commence par ça. Oui, j'ai fait un petit repérage. Alors ça, je trouve que c'est un objet assez rigolo que j'aimerais bien tester. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le prendre vraiment en main encore sur le salon. Alors, on connaissait le drone anti-drone. Vous savez, c'est un grand drone qui lâche un filet et qui attrape des petits drones en l'air. Et bien maintenant, c'est une version interception au sol. Donc là, on est plutôt sur une espèce de grosse lampe torche. Et puis dans la tête... est caché un énorme filet. J'appuie sur un bouton, ça l'éjecte à 3 mètres. Il y a une envergure d'à peu près 25 mètres. Et alors là, voilà, vous imaginez bien que dès que le drone est pris dans les mailles du filet, catastrophe, balaboum, il s'écroule au sol. Pardon, ça, alors ce qu'on là, voit, là, ce qu'on voit, c'est celui d'avant, qui est le drone qui capture des drones. Donc là, c'est une version plus lampe torche. Je pense qu'on a une petite vidéo aussi à diffuser là-dessus. Ça s'appelle Grande Intercepteur. Donc c'est vraiment une opération au sol. C'est Maloutech qui fabrique ça. Ça se vend en kit. Il y a 4 têtes. C'est-à-dire si on rate son coup, on n'a pas réussi à attraper son drone, on peut changer la tête, relancer un filet. 4 fois pour 1 500 €. Il n'y a aucune restriction pour acheter ce produit si ça vous amuse. Bon, après, il faut que le drone ait envie de se laisser capturer, je pense. Vous êtes tenté, Delphine, je le vois à votre regard. J'ai envie vous rêvez d'avoir ce truc-là. Il faut qu'il ait envie ou pas envie, d'ailleurs, de se laisser capturer. Non ouais, ah, oui. Ça doit pas être simple quand même. Non, hein. Non, il faut être à 3 mètres. Ouais, je pense que celui qui pilote le drone n'est pas loin non plus. Ouais, autre chose, Delphine, des mini-drones qui ont été présentés hier par Thales et par Aviation Design. Oui, là c'est beaucoup plus sérieux. Donc Thales avec Aviation Design, qui est le principal acteur en Europe sur la fabrication de drones, ils ont présenté le Spy Ranger. Donc c'est un mini-drone, c'est-à-dire qu'il fait moins de 25 kg. Et sa mission, lui, c'est vraiment de faire de l'observation, de la surveillance, du repérage sur le terrain. Donc on l'emmène avec nous et puis on le laisse partir. C'est un avion, vous voyez, avec des ailes fixes et une hélice à l'arrière. C'est un moteur électrique donc qui lui permet d'être très très silencieux. Et puis il a une grosse boule aussi, là vous voyez, sous le nez. C'est en fait une plateforme qui est gyrostabilisée avec multisenseurs. C'est le système aujourd'hui le plus évolué au monde pour la captation de données. Voilà, donc c'est une petite prouesse. Ça rapporte énormément d'informations de jour, de nuit. Et il y a un logiciel de contrôle, on nous dit, qui est éprouvé au combat. Donc c'est vraiment un mini-drone pour les opérations militaires. Ouais, c'est pas un mini-drone pour le grand public. Pas la peine d'essayer de l'acheter. Bah, 25 mètres d'envergure déjà, bon, c'est costaud quoi. Autre chose présentée également par Thales, c'est une montre connectée pour les forces de l'ordre. Oui, en fait, ils sont partis là sur le salon. Il y a une démo qui tourne sur une Samsung Gear 2. Et donc, ils montrent une application, ça s'appelle SeatWatch for You. Et ça permet en fait à un commando de visualiser concrètement où ils sont sur le terrain, les uns et les autres. Donc, il y a une carte qui apparaît sur la montre. On peut se déplacer évidemment de manière tactile dessus. Et ils peuvent aussi envoyer des photos, des vidéos, des sons qu'ils prennent en direct sur le terrain et qu'ils partagent avec le reste du commando. Je crois que ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de voir. Non, en fait, on a mélangé toutes les images, c'est pas grave. Vous allez vous retrouver à la fin, j'espère. Il y a aussi un petit bouton d'alerte qui permet de demander au commando de venir en aide voilà, à la personne qui est dans une situation compliquée. On peut signaler évidemment qu'on va se déplacer ou pas. D'accord. Pour rendre assistance. Et puis tout ça est évidemment connecté à un centre de commandement. Donc ça permet aussi de voir comment se déroule une action à distance et éventuellement même d'envoyer des petits messages directs sur la montre. Bon, Florian, tu peux C'est un prototype pour l'instant. Cette application n'est pas encore lancée. J'ai une image là, si Florian veut la montrer. Est-ce qu'on va voir la montre avec l'écran, peut-être ? Bon, je sais pas. Bon, on va enchaîner avec le... Voilà. Montre. Donc c'est vrai, c'est une Samsung Gear S2. Gear 2. Court. On enchaîne avec un simulateur. Donc là, maintenant, on va revoir les images que oui, alors vous avez vu, on avait vu tout à l'heure. C'est assez impressionnant. C'est le clou du spectacle. Ça, c'est quand même, je trouve, le plus impressionnant. Donc là, on est dans une situation d'entraînement. Avec tout ce qui se passe actuellement, évidemment. Hein. On est dans une situation d'entraînement. C'est une plateforme mobile qui est constituée. Alors là, c'est la version gigantesque. Hein. Le simulateur s'appelle le V300 parce qu'il offre une vue à 300 degrés. Donc il y a 5 écrans géants sur lesquels sont projetées des images vidéo
très réaliste. Hein, ce sont des on est dans la vraie vie avec des vrais acteurs. C'est des personnages, c'est des vrais acteurs. Alors, on peut quand même intervenir sur les scénarios. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui arrivent. On peut les modifier en fonction de ce qui se passe dans la salle, puisqu'il y a un centre de pilotage avec 6 ordinateurs derrière. Et puis, il y a aussi 5 caméras de tracking, donc pour aussi prendre la mesure de ce qui se passe en vrai devant ces écrans. Il y a des accessoires, ça c'est intéressant, c'est des accessoires qui se pluguent en fait sur des vraies armes. Donc ça permet à des policiers, à des gendarmes d'utiliser leurs armes, de mettre ces accessoires et d'avoir un retour de force par exemple quand ils tirent ou un viseur pour viser la nuit. Donc voilà, on peut s'entraîner, le FBI déjà visiblement l'utilise. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, vous vous en doutez bien, mais c'est assez impressionnant à voir au Midipol. Il y a des versions plus petites aussi, hein, en 100 ou 200 degrés si ça vous intéresse. Bon, vous nous avez fait là une visite de ce salon Midipol, là on a l'impression d'y avoir été. Et demain c'est le dernier jour. On va y aller avec 01net.com récupérer de nouvelles images. Ouais, super. Merci beaucoup Delphine Sabatier, directrice donc des rédactions de 01net pour ce Zoom Actu. Merci. Merci. On passe au labo, ou plutôt c'est le labo qui nous rejoint tout de suite pour les. On va parler de deux petites choses. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. J'adore, moi, ces belles étoiles derrière. Ceci, l'étoile. On a l'impression d'être, C'est romantique. Hein. Oui. Je sais pas, moi, allongé comme ça, sur l'herbe, avec un joli ciel étoilé d'août. Est-ce que j'ai le droit à ma mauvaise blague aussi? Est-ce qu'on serait pas sur un Jedi Knight derrière? Ok. Un Jedi Knight. Voilà. Jedi. Non, c'est pas. Jedi Knight. C'était bien. J'étais venu faire mes petites courses. C'est très bien. C'était bien. J'ai fait une journée entière en voiture aujourd'hui. On a entendu Pignan. Alors, si tu me tends la perche sur ce que j'ai fait aujourd'hui, là, avec cette voiture, c'est quand même magique. On va vite le découvrir sur Zéro Net. Où étais-tu aujourd'hui? On a fait Aix-en-Provence-Paris avec la voiture qu'on a élue voiture connectée de l'année, donc la nouvelle Audi A4. Et donc de jolies images à découvrir très très vite sur Zéro Net. Ça sera bientôt. Voilà. Voilà, David Noguera qui est avec nous. Et puis c'est Jean-Sébastien Zanqui qui nous a rejoint. Salut Jean-Sébastien. Bonsoir François. Plaisir de te retrouver, Jean-Sébastien, qui vient fraîchement arriver à la rédaction de 01net. Et dorénavant, vous retrouverez Jean-Sébastien pour évidemment nous parler de notre passion à tous, les nouvelles technos. Il va tester énormément de produits, tout comme le faisait Bruno Cormier qui nous a quittés il y a quelques semaines de cela pour aller à Bordeaux. Le si tu nous regardes, Bruno, tu nous manques. Voilà. Mais on est content d'avoir Jean-Sébastien. Évidemment. On va commencer par quoi, tiens? Honneur aux nouveaux arrivants, hein? Oui, David, carrément. D'autant que j'ai une très mauvaise blague. Je pense que là, je vais me faire tout petit pendant dans un instant avec. Je vais regarder sur Twitter. Avec David, si on va parler de montres connectées. Mais auparavant, donc, un téléphone que tu as testé, Jean-Sébastien. Le OnePlus X, donc de la marque chinoise, qui commence à être un peu connu maintenant. Alors Jean-Sébastien, faut parler bien près du micro. Ouais, hein, avec ça, c'est un truc tu verras. On sait quoi prendre. On a nos lubies ici. On rapproche les gens des micros. Tu vois, donc c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc oui, le OnePlus X de la marque chinoise OnePlus, qui est un peu la marque en train de monter actuellement, puisque il y a donc Christopher a pris 50% des parts, hein, rappelons-le. Exactement. Il est complètement fan de cette marque. Tu mets en doute son objectivité. Il est pas la meilleure garde, hein, je crois. Fais attention. Non, mais il le sait en plus. C'est pour ça. Non, mais c'est bien. Donc c'est leur modèle maintenant, on va dire milieu de gamme pour eux, c'est-à-dire que c'est un modèle qui a seulement 269 €. Et surtout avec ce modèle-là, ils misent sur le design, c'est-à-dire que vraiment en termes de design, c'est quelque chose de très joli, face avant en vert évidemment, arrière également, avec ce contour en métal qui rappelle clairement l'iPhone 5, hein, faut pas se leurrer, c'est vraiment inspiré de ce modèle-là, mais c'est très bien fini, c'est très joli, un bel écran AMOLED, du Snapdragon 801 qui est un petit peu moins performant que peut-être le dernier 810 qui chauffe un petit peu, mais c'est ça l'intérêt, justement le 801 reste performant sans chauffer. Et voilà, donc assez intéressant, mais quand même au niveau du labo, dans nos tests, on a vu que en termes d'autonomie surtout, il y a un gros souci d'optimisation, c'est-à-dire qu'en lecture vidéo, on arrive seulement à 5h54 de moyenne, sachant que un modèle équivalent avec une batterie presque équivalente comme le Samsung Galaxy S5 arrive à 15 heures. Donc c'est trois fois moins que ça. Et donc on imagine une explication. Qu'il y a certainement un problème d'optimisation en termes logiciels, parce qu'en plus on voit des variantes entre toutes les différents tests qu'on a fait. Ça passe
passe de 5h13 à 6h47. Donc vraiment c'est très donc c'est peut-être perfectible. En fait. Alors c'est certainement perfectible. Et d'ailleurs il y a une mise à jour qui va arriver début de l'année prochaine pour Android Marshmallow, donc Android 6 qui sera disponible sur ce modèle. Et on espère que ça pourra résoudre ce problème-là. Mais à part la vidéo, voilà, si vous cherchez un modèle design assez performant pour un prix quand même raisonnable, puisque c'est 270 €, c'est un bon choix actuellement, donc faut s'y pencher. USB-C, j'ai cru voir. Non, pas celui-ci. Ah non, bon. C'est le OnePlus 2 et USB-C, d'accord. Mais pas le. Non, pas mais le X. Sais, il fait, c'est pour te bizuter, il pose des petites questions. Ouais, je vois. Questions non, mais j'ai préparé. Ah oui, donc il est GPRS, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, GPRS, ouais. Mais non, le 4G, et puis là, bim, tu te fais avoir. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci beaucoup. David Noguera. Bonsoir again. Ouais, je retente une nouvelle entrée. Bon, alors est-ce qu'il y a une prise USB-C Non, pas du tout. Elle se recharge avec une prise USB et un socle effectivement sans contact pour la recharger. Et là justement, eh bien, comme elle a quitté sa base hier matin, eh bien, elle est à plat. Mais heureusement, nos JRI ont des petites boucles pour ça. Samsung Gear S2. Selon moi, l'une des meilleures montres connectées du moment, vraiment. Ouais, elle a déjà fait couler pas mal d'encre. Ouais, c'est vraiment une super montre pour moi. Alors c'est vrai qu'il y a toujours ce problème d'autonomie, hein, deux petites journées, ça fait pas beaucoup. Mais la grosse particularité, voilà, c'est cet écran qu'on pivote autour de la montre et qui donne accès directement à toutes les notifications, aux applications. J'ai trouvé ça beaucoup plus autonome qu'une montre Android Wear, puisqu'on peut, par exemple, je suis allé courir avec et l'application Self me disait attention, tu n'as pas bien configuré ton compte. Pense à ajouter ta taille, ton poids, et on peut le faire directement depuis la montre. Donc elle a vraiment des choses plus. C'est mieux ficelé, je trouve, que Android Wear sur bien des aspects. La reconnaissance vocale fonctionne tout aussi bien, puisque c'est du nuance derrière, puisque la technologie S-Voice de Samsung, c'est nuance qui est derrière. Il y a des capteurs cardio pour les runners qui effectivement ont besoin de suivre un peu leur performance. Et puis, toujours ces notifications, mail, SMS, appel. Vraiment, c'est une super montre. Alors le souci, c'est que même dans cette version qui est la version sport, donc avec le bracelet un peu silicone, en fait elle a pas réellement le côté sport, c'est plus entre nous qu'on se le dit, mais officiellement sur le site de Samsung elle est juste appelée Gear S2, et il y a une Gear S2 classique qui est elle à 379 €, et le prix de la version donc sport c'est quand même 349 €. Voilà. Donc on se rapproche quand même du mode de fonctionnement de l'Apple Watch avec la couronne. On est vraiment sur des menus beaucoup plus dynamiques, c'est beaucoup plus agréable, je trouve, à utiliser au quotidien. Et franchement, entre la couronne et comment ça s'appelle, Jérôme, le petit truc de l'Apple Watch là, c'est la couronne digitale, ils appellent ça. Ah oui, Digital Crown, donc d'accord, la couronne et là c'est un nom, c'est la lunette, c'est une lunette, c'est voilà, c'est ça, hein, effectivement, voilà, c'est le bord du. Je lunette, trouve que la lunette est très agréable. On n'aurait pas pu trouver mieux, non ? Ouais, mais c'est comme ça. C'est vrai que du coup, comme elle est crantée en plus, c'est vraiment, on déplace l'écran et puis on passe sur toutes ces notifications très rapidement. Donc c'est un modèle qui fonctionne sous Tizen, effectivement, faut le préciser, pas sous Android. Les bracelets sont un peu cheap. Les bracelets sont un peu cheap, mais en fait, il y a une bonne idée quand même, puisqu'ils sont. Alors, il y a un bracelet cuir pour la version classique, et puis en fait, on peut les remplacer en les enlevant. Là, je suis pas sûr qu'ils aient du coup des images, mais on peut effectivement enlever le bracelet assez facilement. Et du coup, le changer. Alors, le Samsung en plus livre deux tailles, puisqu'elle peut tout à fait convenir à un bracelet féminin. Elle n'est pas très très grosse. Et donc, du coup, Samsung livre aussi un bracelet taille S. Là, j'ai le modèle L. Ce qui est important, c'est que c'est une bonne montre connectée. C'est une bonne montre connectée. Mais pour en revenir effectivement à ce que tu disais sur les bracelets, on ne pourra pas aller chez un horloger, prendre un bracelet en classique 22 mm. Voilà, donc ça, c'est bracelet propriétaire quand même. Ok, très bien. Voilà pour sans doute l'une des meilleures montres. Le test complet. De cette fin d'année, ça peut être un cadeau sympathique si on veut se lancer dans l'aventure de la montre connectée. Merci beaucoup David. Et merci aussi à Jean-Sébastien Zanqui d'avoir été avec nous. Et Jérôme, pour terminer un mot sur notre question Zéro Net Orange. Bien sûr. On fait le point, c'était le sondage du jour. Êtes-vous Star Wars addict? Eh bien oui, visiblement à 48%. Vous êtes aussi piqué que nous. Non à 27% et bof à 24%. Voilà, et puis dernière chose, je vous rappelle que ce soir, on vous offre, en plus de l'enceinte Bluetooth Cthulhu 2 de Divacore, tout ce qu'il y a là, non ? J'aimerais bien, mais on va offrir, en fait, voilà, en plus, le jeu Star Wars Battlefront qui sort aujourd'hui. Ouais. On vous l'offre sur PlayStation 4 et on le glissera donc avec l'enceinte.
D'ailleurs, on doit y aller là parce qu'on a une partie en cours. Ouais. Et donc, n'hésitez pas pour jouer. www.01atv.com. Vous participez au petit quiz que nous vous proposons, qui est sur la gauche du site. Voilà, tout simplement, à gauche du player. Merci à Florian Beaufreton qui s'est bien amusé ce soir à la régie, à la réalisation vidéo. Jérôme Giliberto au son. Pierre Thiolin à la vidéo également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain. Voilà, portez-vous bien. À suivre sur 01Net TV. La découverte très bientôt du nouveau drone de Parrot, qu'on va aller découvrir avec Jérôme demain matin. Et puis, lundi soir prochain, on vous présentera notre deuxième rendez-vous de 100% Windows. Mmh. On va parler de sécurité. Vous savez que Windows 10 apporte pas mal de nouveautés en matière de sécurité, notamment ce système de biométrie. Il vous détecte avec votre regard, avec votre visage, et on en parlera donc de ce système. Et puis, on parlera aussi de la sécurité de Windows. S'est-elle améliorée avec Windows 10? Toutes ces questions, donc, ça sera lundi soir en direct à partir de 18h30. Voilà, que la force soit avec vous, à très vite.